Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul solde. J'avais fait, je crois, un tout premier haul solde pour ceux d'hiver. Et du coup, si vous l'avez vu, vous connaissez un petit peu ma façon de faire. Bah, les soldes chez nous avec ma maman, c'est sport olympique. En fait, j'achète très peu. Je répète du coup pour celles qui n'auraient pas vu cette vidéo. J'achète très peu. Comment on dit, plein pot en fait, en dehors des soldes, pour la simple et bonne raison que ben au final j'achète tellement pendant les soldes que j'ai suffisamment d'affaires pour les 6 mois restants et que je suis suffisamment patiente pour attendre les soldes suivants. Et du coup c'est vrai que je trouve toujours tout ce qu'il me faut et vous allez voir ça. Vous allez voir ça tout de suite. Alors d'abord petite parenthèse, durant mon séjour parisien. J'ai pas tellement fait les magasins parce que, en fait je les ai pas fait du tout même, parce que j'avais pas du tout envie de saouler mon chéri avec ça et que du coup ben on a préféré visiter ou faire des restos en amoureux. Par contre j'ai insisté pour passer chez MAC, donc je m'étais acheté un rouge à lèvres, c'est le Cosmo Amplified, donc il coûte 19 €, je viens de faire tomber le bouchon, tout va bien, il coûte... maladresse, 19 € et il est magnifique quoi, il est sublissime, c'est celui que je porte actuellement forcément et voilà, j'adore. Donc dans notre plan de bataille avec ma mère, on a d'abord fait le polygone et quelle est la première boutique dans laquelle on est allé, je suis plus sûre, mais en tout cas on a fait un gros tour, gros tour aux Galeries Lafayette et j'avais dit à ma mère, cette année je ne m'achète pas de chaussures, j'en ai suffisamment. Devinez quoi? J'ai acheté une paire de chaussures. Ah! L'appel de la promotion, voilà, c'est moche. Des Haniel à moins 70%, donc qui coûtent normalement 135 € et qui te reviennent à 40 €, c'est juste impensable. Elles étaient là toutes seules, il y avait ma pointure, juste elles. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est déstocké autant. Alors, elles vont pas plaire à tout le monde. Attention, les rétines, la rétine. Elles sont bien à paillettes, voilà, moi j'adore les Haniel, hein, ça va être ma troisième paire du coup, et qu'est-ce qu'on est bien dedans, j'adore ces ballerines, je trouve que pour le coup, elles sont quand même de meilleure qualité que les Repetto, et un peu moins chères que les Repetto, donc au final, je suis trop fan, avec un jean, elles sont juste canon, donc voilà, c'est un peu l'achat... Vous savez, ce genre d'achat que j'aime pas trop en fait, qui veut dire ah ben j'achète parce que c'est en solde. Voilà, parce que je pense qu'en temps normal, je les aurais pas achetés, mais j'ai trouvé quand même super jolies. Donc pour 40 €, je pense que c'est des ballerines que je porterai aucun problème. Ensuite, comme vous le savez, je vais déménager. Donc mi-juillet, je n'ai plus cet appartement et on cherche avec mon chéri une maison qu'on n'a pas encore trouvée, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter de la déco pour la maison. Oups. Donc des trucs que je déménagerai en mettant chez mes parents. Hein. Donc hop, en fait, aux Galeries Lafayette, il y avait, mais c'est trop beau, vase. C'est la marque Sia. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore cette marque. Donc ce pot, il coûtait 27 €, il était à moins 50 %. Donc enfin, je l'ai trouvé magnifique et du coup j'ai acheté son grand frère. Comme ça j'ai toute la famille. Ah, qui est celui-ci. Donc forcément, même marque, pareil, moins 50 %, 32 €, donc il m'a coûté 16 €. Donc, enfin, les deux pots, ça m'a strictement rien coûté, donc voilà. Après, Galerie Lafayette, attendez, je regarde tous mes petits sacs. Bon, je sais pas, je vais vous le faire dans le désordre, on s'en fout. J'ai voulu passer chez Sephora parce que j'ai plus de... Enfin si, j'ai encore ma poudre, vous savez, pour le teint que j'utilise tout le temps. Mais je pense qu'elle est périmée, je l'ai depuis super longtemps. Et du coup, je voulais aller voir parce que je l'avais achetée en solde. Et je voulais aller voir si elle était soldée. Et elle ne l'était pas. En revanche, je me suis pris un petit vernis. Je sais pas si vous connaissez cette marque, Formula X. Et en fait j'en ai entendu beaucoup parler et en bien. Donc j'avais trop envie de les tester. Et là à moins 50 %, donc 7 € et quelques au lieu de 15 €, je me suis pas privée. Il y avait plein d'autres couleurs, moi j'ai pris gris parce que oh, il y avait du bleu, des bleus foncés et tout, ça me disait pas trop. Donc je suis contente du coup de pouvoir tester une nouvelle marque de vernis finalement à moindre prix. Toujours chez les Galeries Lafayette, ma mère me montre une robe comme ça sur le cintre, elle me dit « Oh regarde, tu devrais l'essayer !» Là, je suis « Bon, si tu veux, je l'essaye. » Et là, la magie opère. Quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment l'achat trop cool que en fait, j'aurais quand même fait si ça n'avait pas été en sol, et tant mieux que ce soit en sol. Donc comme ça, elle va rien vous dire. C'est une robe Esprit bleu marine. Elle est cintrée, donc il y a un petit...
un petit élastique. Et là, il y a une espèce de petit voilage plié, mais que sur le côté gauche. Donc, je ne vous les montre pas, les vêtements portés. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils seront portés sur le blog. Et j'ai pas envie de faire de doublons. Donc, ben, patience, suspense. Vous le verrez sur le blog. Donc, c'est de la marque Esprit. Et alors, je sais plus, elle était à moins 30%. Donc, bon, ça valait le coup, étant donné que ben, je l'aurais quand même acheté non soldé. Voilà, ensuite, on est allé faire un tour... chez Monop. On est allé faire un tour chez Monop et je pensais trouver des petits hauts, des petits trucs comme ça. Et bah, j'ai encore acheté pour la maison. Oups, c'est trop beau, regardez ça. C'est pas over magnifique? Alors ça, c'est le genre de corbeille, tu peux t'en servir pour tout, pour ranger des bouquins, des magazines. Tu peux t'en servir pour mettre du linge sale, des foulards, des ceintures. Ou alors, truc trop canon, tu mets des petits pots avec des petites plantes grasses et tout, et c'est juste mais sublime. Ça aussi, ça coûtait une misère, un peu comme les deux pots que j'ai achetés. Ça coûtait 17€, moins 50%. Tadam! Donc je l'ai payé une misère, je trouve ça trop beau, si vous saviez. Mais alors, si vous saviez, comme j'ai hâte d'avoir ma maison, je vais tellement me régaler, m'en donner à cœur joie niveau déco, mais bon, bah, va falloir être patiente. Voilà. Trop fastoche. Après, on est passé chez Kokai. En ville, non pas en ville, si en ville. En ville. Et je me suis trouvé deux petits hauts. J'étais trop contente. En fait, cette année, je m'étais dit, bah, j'ai besoin de rien. Des manteaux, des vestes, tout ça, j'ai machin. J'aurais éventuellement besoin de robes et de petits hauts. Donc je me suis trouvé une robe. Et ici, deux petits hauts, vous allez voir. Ils sont juste trop beaux. Oh, ils sont juste mais sublimes, mon chéri. Regardez-moi ça. Cette tuerie. Alors celui-là, non mais je vais y arriver. Celui-là, il existe en noir et il existait en blanc avec le bas gris. Et en fait, finalement, c'était en blanc tout court que j'aimais le mieux. Il coûtait 39€, moins 30%, donc pas des masses soldées. Mais de toute façon, comme je le trouvais trop beau, eh ben, je l'aurais quand même pris. Donc j'adore. Après, le reste de la matière, c'est une matière, vous savez, t-shirt un peu jersey, toute simple et que j'aime trop, 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 trop. Et l'autre, en fait, quand j'ai fait les soldes avec ma mère, j'avais... je sais pas, ça doit rien vous dire, mais j'ai un petit t-shirt effet lin beige qui vient de chez Primark. Je l'ai payé, je crois, 6 balles le truc. Et il est en train de mourir en fait, parce que c'est pas de la qualité. C'est déjà le deuxième été que je le porte et je le porte beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, quand je lui ai trouvé un petit remplaçant, j'étais trop contente. Alors, c'est trop beau. Il coûtait 45€ et je l'ai eu à 30€. Regardez-moi cette merveille. C'est typiquement ce que j'aime. Donc en fait, moi, ce qui me va, c'est les cols ronds parce que j'ai quand même un grand cou. Donc finalement, ce débardeur me va pas. Game over. Et voilà. Et il a 30% de lin, donc c'est cool. Enfin, il est trop beau. C'est vraiment le type de t-shirt que j'adore porter l'été. Ça va avec absolument tout. Jean, jupe, short. Enfin, t'es toujours canon avec. Tout va bien. Ensuite, à cause de ma copine Delphine, alias Des Roses Bonbons, elle m'a indiqué une boutique qui vendait la marque Des Petits Hauts. Et j'y suis allée. Et là, c'est le drame. J'ai essayé mes 1000 vestes trop belles. Pff, la moindre veste là-bas, elle est à 150€. Donc, il y avait du moins 50, du moins 40%. Mais tu peux en acheter une, quoi, pas deux. Donc, du coup, j'étais là, oh là là, oh là là, j'ai mis 100 ans à choisir. Et j'ai réussi à choisir. Et alors, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là, elle est trop belle. Alors, ça va absolument rien vous dire. Honnêtement, ça va pas vous parler. C'est en gros une veste un peu effet Chanel, c'est-à-dire qu'elle est droite, mais elle est quand même un peu longue. Et elle est en lurex en fait. Il y a du doré et de l'argenté. Et elle est juste mais sublime. Portée, c'est. Vous avez juste pas idée. Il faut vraiment l'avoir en portée en grand. Parce que bah, là, vraiment, ça veut rien dire quoi. Vous verrez que dalle. Voilà, vous êtes contente. Merci Anaïs de l'avoir essayé. On voit que dalle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, j'ai trop hâte de vous la montrer dans un look. Alors ça sera pour ben, les, du coup, les soirées fraîches d'été hein, puisque pour le coup un gilet Anaïs en juillet c'est un peu inutile. Un gilet en juillet, dites ça 10 fois de suite et très rapidement vous allez voir c'est galère. Et voilà, il est trop beau. Donc j'ai craqué mon slip, il revenait je crois que je l'ai payé ouais, 80€. Ah, 80€, mais il est trop beau quoi. Il est trop beau. Et après, je me suis acheté encore deux trucs. Donc franchement,
si je devais faire un petit comparatif de par rapport à comment je fonctionne durant les autres soldes, j'ai peut-être acheté un peu moins, mais beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'ai pas acheté de petits hauts à 10€, 15€, 20€, que je l'achète parce qu'il est qu'à ce prix-là et que je mettrai peut-être qu'une fois. Enfin, à part pour les ballerines, pour le coup, j'ai pas eu d'achat craquage de soldes, quoi. Et du coup, c'est cool et je suis trop contente d'avoir trouvé aussi ces petits éléments déco... vraiment trop chouette, enfin j'ai tellement hâte si vous saviez, j'ai tellement hâte et du coup j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Alors quelque chose qui n'était absolument pas en solde, mais c'est pas grave parce que de toute façon enfin j'avais craqué dessus depuis bien longtemps, c'est une boutique, je passe devant quand je rentre du boulot, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Bazar Chic. C'est en gros quand on descend la Grand Rue Jean Moulin, on descend, on est sur le tram, en face il y a l'église Saint-Charles je crois. Et en fait à droite il y a une petite rue et là il y a le Bazar Chic. C'est juste derrière l'arrêt de tram, je ne sais plus comment il s'appelle. Non je sais plus, juste derrière un arrêt de tram, bref, merci Anaïs. Et donc c'est une petite boîte. Oui alors là, mon appareil photo doit avoir chaud, il a coupé donc je recommence. C'est une petite boîte, vous savez, Cézanne en vend un peu des similaires et en fait il en a de toutes sortes, il avait plus celle que je voulais et en même temps je me suis dit Anaïs tu vas acheter une boîte en verre parce que c'est en verre et en fer pour finalement la mettre dans des cartons, c'est pas très utile et en fait je me suis dit ben moi ce sera genre une mini boîte à bijoux que je pourrais mettre chez mes parents et pour avoir genre mon essentiel en fait, 2-3 paires de boucles d'oreilles et 2-3 bagues et un bracelet et le reste ce sera dans les cartons, tant pis, voilà, ah, voilà quoi j'en suis réduit et du coup je la voulais trop et elle coûte 6,90€ donc enfin ça va au vu du travail quand même qu'il y a dedans, dessus et voilà je l'aime trop et j'ai trop hâte de m'acheter la grande. Et enfin, donc sur les coups de 15h, on a décidé d'aller voir à Odysseum un peu ce qui se tramait. Donc j'ai fait Zara à Odysseum et au Polygon, je n'ai absolument rien trouvé. Grosse déception, de toute façon Zara c'est souvent qui tout double. Donc du coup, bah là pour le coup, c'était rien du tout, c'était kit. Ouais, il n'y avait rien quoi. Ou alors des trucs comme d'hab, vous savez, ils vous font genre grosse réduc et en fait il y a 5€ de moins donc... aucun intérêt. Où est-ce qu'il y avait aussi aucun intérêt? J'ai rien trouvé chez Sud Express. Voilà. Princesse Tam Tam, pareil, les soldes, ils étaient pas ouf. Donc j'ai pas acheté de lingerie cette fois-ci. Alors que ben clairement j'ai besoin un peu de lingerie claire pour sous les petits hauts, vous savez, d'été comme ça, pour que ce soit assez discret. Qu'est-ce que j'ai fait? André, moi je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose. J'étais déçue. Minelli, pareil. Alors Minelli comme d'hab, c'est-à-dire que. Moi je fais du 41 donc en gros tu dois aller au fond du magasin, sous l'escalier, là dans les combles, au fond, bien sombre, sans lumière. Et là il y a 3 paires pour les 41 alors qu'au 39 c'est blindé. Bref, donc du coup j'ai laissé tomber chez Minelli. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour vous donner un peu un aperçu des soldes, de ce qu'ils donnent cette année? J'ai fui Pinky, Promode, Stradivarius et Bershka parce que c'était l'enfer sur terre. C'était, en gros, on a pris toutes les fringues, on les a toutes mélangées et après on les a foutues sur des cintres et on les a bien serrées sur des portants. Allez, bonne chance. Et du coup, j'ai cru mourir. On est allé chez Clarks, ma mère s'est trouvée une super belle paire de chaussures. Et voilà, en gros, pour vous dire ce que ça a donné, on est aussi passé chez Agatha. Vous allez voir, je me suis dégoûtée un petit truc, mais je suis trop meilleure. Ce sont des bloucs d'oreilles. Pardon, ce sont des boucles d'oreilles. Alors, elles sont pas en or. C'est de la fantaisie. Et alors, je sais pas si vous allez y voir grand chose. Ouais, ce sont des ananas. Elles sont juste canonissimes. Ce sont les petites ananas. Attends, je te zoome. Attends. Trop belles, hein? Dis qu'elles sont trop belles. Dis-le. Elles sont trop belles. Attendez, je rezoome. Ouais, elles sont vraiment canon, je les trouve trop belles. Alors dites un prix, vous allez juste halluciner. Elles étaient à 22€, donc déjà de base, si tu veux, elles sont pas très chères. Moins 50%, donc bim bam boum, calcul de tête, calcul mental, hop, champion. Je les ai payées 11€ quoi, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes petits achats, mes
petit, tout est relatif. Je pense que c'est chacun connaît ses limites, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. J'aime trop et j'ai envie de tout porter tout de suite. Enfin, pour vous dire, j'ai déjà porté la robe tellement je l'aimais. J'ai déjà envie de porter mes petits hauts et tout. Enfin, j'aime tout, c'est trop beau. J'ai juste hâte de vous les montrer sur le blog. Donc, restez connectés, regardez ça. Moi, maintenant, j'ai envie de savoir ce que vous avez acheté pendant les soldes. Quelles ont été vos bonnes trouvailles. Dites-moi si j'ai raté quelque chose et si je dois y retourner. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous souhaite de très bonnes soldes. Profitez, c'est quand même un moment un peu cool pour les filles comme nous qui aimons le shopping. Moi personnellement, j'adore ça, fouiner et tout. Puis c'est vraiment un beau moment que je passe avec ma maman. Le midi, on a mangé ensemble. Après, on s'est pris une glace et tout. C'est quand même des moments bien cool entre mère et fille, quoi. Voilà, bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut. Oh non, il va pas se lever. On vient de manger un truc de malade au petit déjeuner au buffet là. Et du coup on a fait une pause d'une demi-heure parce que il fallait digérer. On doit rendre la chambre à midi. Regardez la vue comme c'est beau.